Salut à tous et à toutes, c'est PsychoLicet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les potes. Aujourd'hui, vidéo, pas en live sur Twitch, tout simplement vous, pour les récompenses Fut Champion. À la base je devais pas le jouer, et au final je me suis motivé avant d'être occupé ce week-end, donc j'ai tout joué vendredi, j'ai fait 9, affreux, le Fut Champion. Mais bon, on va ouvrir le choix rouge de Ligue 1, et quelques petits packs aussi à ouvrir, voilà. C'était juste pour vous balancer cette vidéo le plus rapidement possible, parce qu'après je ne serai plus là jusqu'à mardi. Et puis, bonne vidéo, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, et on est parti, let's go. Take time, and it will be chaotic, but that's just how things are, the road of a psychotic. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Alors comme vous le voyez, en boutique j'ai 9 packs. 9 packs plutôt sympa. Mine de rien, il y a 9 packs, mais 9 packs plutôt intéressants. Avec un premium joueur mélangé, un pack joueur rare 84+, 81+, pack 8 joueurs Ligue 1. Pack 2 joueurs 84, 2 joueurs 84, 1 joueur 85. Pack or rare et pack or rare, franchement, il y a peut-être moyen de moyenner un petit truc. Pourquoi pas un petit Tots Ligue 1. Donc bien évidemment, bon bah vous connaissez hein, ce qu'il faut avoir pour être bon dans le jeu, tout simplement. On va voir, je pense que c'est très compliqué à les packer. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi les récompenses que je vais faire avec le classement que j'ai fait. Vu que c'est le pire classement que j'ai fait depuis le début de ces Tots, ça peut être intéressant de voir si c'est là où je vais avoir le plus de chance. Mais bon, je pense que ça va être dur, mais on verra. 84 plus ici, et on va s'en sortir avec un 84, comme bien souvent, bien évidemment. Hop, on met ça au club, et on ouvre le prochain avec deux joueurs 81 plus. Pour celui-là, je pense pas qu'il y aura grand-chose, mais sur un malentendu, ça peut tomber, hein, on sait jamais. Premier opening de Tots Ligue 1 pour l'instant, donc clairement, on n'en a pas encore eu. Donc on espère éventuellement débloquer le compteur Ligue 1 aujourd'hui, dans des packs non garantis. 8 joueurs Ligue 1, tiens, je vais les garder pour après. 2 joueurs 84+, vas-y. Ah, le premier? Non. Si? Oui, Medina, solide 94 quand même de général. Eh ben, let's go. Voilà, le premier qui tombe, il est là. 94 de général. Il a l'air d'avoir une carte plutôt intéressante, alors bon. Je vais pas vous mentir, je vais pas le jouer, mais ça fera un bon fondeur hein, du coup pour nous. Mais plutôt sympa comme carte. Hein. On est quoi là? On est sur franchement défensivement plutôt intéressant. Après ben ouais, en défense on a déjà ce qu'il faut. Mais sympa à paquer, ça fait plaisir. Ça va être un des moins bons j'imagine, mais au niveau valeur. Mais ça fait toujours plaisir d'en avoir un. Allez, pas encore rare vendable. Donc dans les vendables, on sait pertinemment qu'il y a presque jamais de bleu. Espagnol, DC. Ok, un petit Laporte, on prend. Toujours utile pour des SBC. Hop, hop, hop. Il y a SBC icône d'ailleurs qui est dispo, mais là, j'ai plus trop la foi de faire des SBC icônes en vrai. Pas encore rare. C'est une vidéo aussi assez courte, hein, les potes, parce que bah, clairement, logiquement, il n'y a pas beaucoup de packs non plus à ouvrir. Donc on y va, on avance, hein, on va pas faire de suspense non plus, inutile pour rien. Hop, Vargas, joueur suisse, très bien. Le reste, on peut-être. Merci beaucoup d'être venu. Allez, 85+, j'y crois moins. Quand il y a deux joueurs, je préfère, quoi. Ouais, 85+, et je crois qu'on va peut-être même pas faire une animation ici. Ouais, bah c'est le cas. Ce sera 85. Ouais, c'est souvent comme ça, les gars. Hein. C'est souvent comme ça. Hein. Allez, faites-nous rêver, là, un petit peu. Pack 2 joueurs 84+, donnez-nous une raison de continuer à jouer. Ah, deuxième Tots, là. Français, oui, buteur. Ah, bah non. Voilà, je pense que lui, ça doit être le pire. Samba, je pense que tout le monde l'a déjà packé, j'imagine, sur ceux aussi regardez la vidéo et vous avez ouvert des packs. Logiquement, vous avez déjà packé Samba. Mais bon, ah, ça fait un petit gardien français à tester si je peux. Mais encore une fois, plutôt Foders qui va être utile voilà, en SBC, bien évidemment. Hormis son pack Mbappé. Son pack Mbappé, bon, c'est un lien super, mais voilà. Pack 8 joueurs Ligue 1. Allez, pourquoi pas. Oui, let's go, troisième, les gars, français. Non, bah non. Bah non. Ah non. Todibo, un autre. Bah écoutez, on a la charnière centrale. Déjà, au moins pour les défis là qui vont sortir les matchs avec la Ligue 1, on a nos deux défenseurs centraux. Todibo, bah franchement, on n'est pas à plaindre. Alors, c'est pas les meilleurs, certes, mais c'est pas à plaindre. On finira à 49 cette vidéo parce que. Ah non, 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 je dis des bêtises parce que. Il y a un petit pack ici à 10 crédits. Et je vais recevoir aussi deux petits packs avec les récompenses du champion. Le joueur rouge, je le compte pas. Donc c'est 49 Tots packés que dans des packs qui n'étaient pas forcément prévus. C'est quand même plutôt pas mal. Beaucoup d'invendables, hein, comme souvent. Mais bon, en pack en promo, est-ce qu'on a un truc de ouf à ouvrir? 3000. Ah, bah j'ai plus le poil 3000. Pack Jumbo Ultime, seconde période. Une version spéciale du pack Jumbo Ultime avec des joueurs horreurs contient désormais 60 LM.
Ah, c'est pas ouf, quoi. Non, c'est pas... Je sais pas. On verra à la fin. On verra à la fin de la vidéo si on en ouvre un ou si on a déjà eu assez de chance. Du coup, fut champion, les potes. J'ai avancé, j'ai filé les wins. Du coup, il nous en reste une à filer. On est parfait. J'ai joué avec cette équipe. Du coup, vous l'avez pas vu. Je voulais faire une vidéo avec Marcus Rashford. Malheureusement, j'ai pas pu vous la montrer parce que les serveurs étaient morts. Donc du coup, voilà, j'ai acheté Marcus Rashford et on a fait notre fut champion avec Ronaldo. Franchement, pas dégueulasse, hein, le petit Ronaldo. Mais bon, voilà, de toute façon, on pourra jamais se l'offrir. Donc voilà, et on va remettre notre buteur qu'on utilise. Il est en réserve, du coup. Qu'on met de base à la place, notre petit Harry Kane. Voilà. Mais ouais, l'équipe est plutôt sympa. Plutôt sympa. Après, malheureusement, le jeu et la communauté le rend vraiment affreux, quoi. Pas vous mentir, hein, Là, le pire que j'ai joué, il faut que je vous raconte. Je vous raconte pendant que je fais de la win. Je fais un match, genre 13ème minute, il prend un carton rouge. Il fait un gros tac par derrière quand je partais au but. Il gagne à 1-0. Je mets le 1-1. Je mets le 2-1. 90ème, il met le 2-2. Du coup, on va en prolongation. Prolongation, je pars seul au but à la 104ème minute. Et à la 104ème minute, il me met un gros tac par derrière. Deuxième carton rouge. Il met pause. Il quitte le match. Ça vous donne un peu la complexité de ce fut champion. Après, voilà, c'est le premier jour, c'est logique, les gens sont comme des fous. Mais bon, voilà, c'est pas forcément super sympa. Donc du coup, un seul joueur rouge, deux player pick, non, un player pick, et après, des petits packs dans la boutique. Allez, player pick, déjà, pour commencer. Ok, 88 crosses, c'est bien. Et du coup, arrive maintenant... Allez, on va espérer un petit truc sympa qui nous a envie de jouer. Let's go! Ouais, je pense que c'est le pire choix possible. On va prendre Cabella, quoi. On va prendre Cabella, ça rentrera dans l'équipe pour faire les petits défis. Ouais, fallait pas rêver, les gars. Fallait pas rêver, tu les touches pas, ces joueurs-là. Mbappé, Messi, Neymar, c'est pas pour nous, là, à l'heure actuelle. Allez, deux petits packs à ouvrir pour terminer. Est-ce qu'on passe la barre des 50? Pas sur ce pack-là, ok. Allez, le reste, on tège. De toute façon, le jeu, là, est vraiment fini. Hein. Je pense que là, c'était un peu la dernière toss vraiment super intéressante. Au niveau de la puissance des joueurs, le reste, pas forcément fou. Pas de tots non plus ici. Ok, ça va être un petit Modric, j'imagine. Voilà, c'est ça. Pas fou non plus, hein. On va pas se mentir. On n'est pas... Voilà, c'est pas dingue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même ouvrir ce pack à 3000 points pour éventuellement essayer de passer la barre des 50 tots ouverts. Mais franchement, malheureusement... C'était pas forcément folichon. Après, on a pas fait un super résultat, donc c'est logique. Et malheureusement, non. Pas la barre des 50. On n'y arrivera pas. Donc, du coup, on s'arrêtera là, hein, les gars. On s'arrêtera là. 49. Et puis, je sais pas trop si Ligue 1, je vais faire beaucoup d'opening parce que je pense très clairement que ça va être très très compliqué à aller chercher des trucs de fou. Donc, voilà. Bon, en tout cas, les potes, on aura essayé. Mes récompenses, c'est celle-ci. Dites-moi vous ce que vous avez eu en commentaire. Je suis curieux de savoir si vous avez eu exactement les mêmes que moi. Je pense que beaucoup auront les mêmes récompenses que moi. Prenez soin de vous, les gars. C'était Psycho. Bye tout le monde, les potes. Ciao, ciao.